L'Égypte est un grand pays stable et le musée de l'agriculture égyptienne en témoigne. Ce musée est un grand édifice qui renferme 10 musées, à commencer par le musée de l'agriculture égyptienne et jusqu'au musée des acquisitions patrimoniales. Ce dernier comprend une collection de peintures, de statues, de meubles et des arts architecturaux. Toutes ces œuvres en rare et d'un goût raffiné. Le musée a été conçu sous le règne du roi Farouk pour diffuser les informations agricoles et économiques en Égypte et aussi pour inscrire l'histoire de l'agriculture égyptienne depuis l'ère préhistorique et jusqu'à l'ère moderne. Le palais de la princesse Fatma, la fille du Khedive Ismail, a été choisie pour construire ce musée. Cette grande femme a joué un grand rôle dans la construction de l'université du Caire. La princesse Fatma a renoncé au palais où se trouve le musée actuellement. La superficie de ce palais était de 30 fédans et y a renoncé pour que l'université du Caire soit établie en 1914. Mais l'université a obtenu son siège actuel. Et en effet, une décision a été prise par le Conseil des ministres le 21 novembre 1929 pour créer le musée de l'ancienne agriculture égyptienne à l'emplacement du palais de la princesse Fatma Ismail. Le ministère de l'Agriculture a reçu le palais en 1930 et a fait les modifications nécessaires pour transformer le palais en musée. Les architectures du musée de l'agriculture égyptienne sont venues de Budapest, la capitale hongroise, pour concevoir et construire ce musée. Le musée a été édifié dans le style européen inspiré de l'ère gothique. Le musée est divisé en trois bâtiments. Le premier sert à exposer tout ce qui rapporte à la végétation, comme les plantes rares et disparues. Le deuxième bâtiment est consacré à tout ce qui est rapport aux animaux sauvages, tandis que le troisième bâtiment abrite certains objets et d'anciennes machines agricoles. Ces objets exposés montrent le développement de l'agriculture égyptienne et ses étapes depuis l'ère préhistorique et jusqu'à nos jours. Le musée a été divisé en deux parties. La première est le musée de l'ancienne agriculture égyptienne à l'ère pharaonique et la deuxième partie est le musée de l'agriculture égyptienne à partir de l'ère grecque et romaine, copte et islamique. Les entrées et les façades du palais ont été ornées d'inscriptions et de motifs agricoles et animaux. Il y a d'autres bâtiments qui ont été annexés au musée comme la salle de cinéma, la salle de conférence et la bibliothèque qui ont été conçus dans le même style architectural que le palais.
À l'entrée du musée, on trouve une statue symbolique du Nil, offerte par le Vatican. Le Nil y est représenté comme un homme fort musclé. Cet homme tient des épis de blé dans sa main droite, qui représente les biens de la vallée. Une carte se trouve sur le socle de la statue. Celle-ci s'appuie sur le sphinx et est entourée de ses enfants en cristaux précieux qui jouent. Ces enfants représentent les pays du bassin du Nil. À côté de cette statue, il y a deux statues sculptées en granit noir qui représentent le dieu Api. Et chacun de ces deux statues est debout derrière un abattoir où il y a des poissons, les oiseaux et les fleurs de lotus. À l'entrée, on trouve aussi une table où se trouve un registre où l'on décrit les visites importantes. Le roi Farouk était le premier à mettre sa signature dans ce registre et le musée a été officiellement inauguré en 1938. À cette époque, ce musée était le premier spécialisé dans l'agriculture dans le monde. Le musée de l'agriculture devance les autres musées agricoles dans le monde, comme celui de Budapest ou de Copenhague. La superficie totale de ce musée est de près de l'équivalent de 521 000 mètres carrés. Les bâtiments du musée occupent 20 000 mètres carrés et le reste représente un ensemble de jardins avec des arbres, des plantes rares, des espaces vertes et des serres. Deux jardins ont été aménagés dans le style pharaonique. Les anciens historiens disaient que l'Égypte est le don du Nil et que les Égyptiens ont fait beaucoup d'efforts afin de tirer profit de ce Nil et créer leur grande civilisation préhistorique. Le musée de l'agriculture égyptienne se distingue par une collection complète de vestiges agricoles rares qui racontent le développement de l'agriculture égyptienne depuis l'ère préhistorique et jusqu'au XIXe siècle. Ce musée est consacré à la période allant de l'ère préhistorique et jusqu'à l'ère pharaonique. Le musée met la lumière sur l'agriculture, la communauté rurale, les industries rurales et l'élevage des animaux dans l'ancienne Égypte. Il est composé de deux étages. Au premier, on peut voir les outils de pêche, les outils du paysan et de la culture des champs, ce qui se rapporte à l'horticulture. Il y a aussi des plantes médicales et aromatiques et des fleurs. Il y a aussi des modèles de galettes de pain et des outils de l'industrie textile et agricole. On trouve aussi une grande quantité de blé de différentes époques qui remontent à plus de 7000 ans avant Jésus-Christ. Thank you.
Le musée expose aussi les échantillons de pâtes, de farine, de miel et du beurre. Il y a des échantillons de légumes comme l'oignon, l'ail et des semences de molokhéa. Il y a aussi une collection rare de plantes utilisées, dont la confiscation des bouquets de fleurs, des couronnes funéraires et des échantillons rares de textiles en lin qui rappellent le textile royal, outre le papyrus. Le deuxième étage est consacré à la richesse animale et aux animaux momifiés. On y trouve exposés des oiseaux chassés par les anciens Égyptiens, comme les canards, les oies, les limicoles et les ibis, qui étaient des oiseaux sacrés aux anciennes d'Égypte et qui symbolisaient le dieu de la connaissance, de la sagesse, de la médecine et de la science. On peut voir aussi l'apis adoré par les anciens Égyptiens, et qu'il considérait comme le symbole de la force et de la fertilité. On peut voir aussi des animaux élevés par les paysans, comme les vaches, les taureaux, les chèvres, les moutons, les chameaux, les ânes et les chevaux, les animaux désertiques et les animaux domestiques, comme les chats, les chiens et les singes. On trouve aussi des insectes et des poissons momifiés, des crocodiles, des hippopotames et des tortues aquatiques. Il y a des caricatures qui parlent des animaux et de la médecine vétérinaire aux anciennes Égyptes. Devant le musée, il y a un jardin aménagé dont le site pharaonique, comprenant un bassin, des arbres, des plantes, des fleurs et des statues de personnages connus de l'ancienne Égypte. Le musée de l'ancienne agriculture égyptienne montre l'évolution de l'agriculture de l'ère pharaonique et jusqu'à l'époque moderne. Le musée est équipé des moyens d'exposition des plus sophistiqués et est muni d'un système de diffusion sonore inspiré de l'ancien art égyptien et la diffusion visuelle est inspirée des anciennes pièces. Le musée renferme aussi les laboratoires de restauration et de lutte contre les insectes et les êtres microscopiques. Ce musée comprend des collections scientifiques disposées d'après leur classification scientifique et d'autres sont exposées d'après les enquêtes historiques en indiquant les étapes de développement contemporain. Ce musée est composé de deux étages. Au premier, on peut voir la communauté rurale et tout ce qui est lié à la vie du paysan égyptien, ses coutumes et ses traditions. On peut voir aussi l'artisanat, les arts populaires et l'alimentation saine de l'homme durant les différentes phases de sa vie.
Le musée montre les maladies qui étaient répandues à la campagne égyptienne et les moyens de les prévenir. Il y a une section consacrée au terrain et aux projets de bonification et empêcher leur détérioration. On peut voir aussi les sources et les systèmes d'irrigation et de drainage ainsi que certaines machines agricoles. Il y a un modèle du barrage qui montre ses effets économiques, agricoles, industriels et sociaux, ainsi que le Qanat al-Khairiya et le barrage d'Assouan. L'étage supérieur est consacré à la richesse animale. Aux volailles, aux chevaux, notamment le cheval arabe et les produits se rapportent aux animaux et leurs méthodes de fabrication. Il est question également de la santé des animaux, leurs maladies et les méthodes de prévention, de traitement. On peut voir aussi des oiseaux sauvages momifiés en Égypte. Des oiseaux migrateurs, des animaux sauvages et des espèces marines. Aussi, le musée expose des insectes utilisés dans le domaine scientifique et économique, notamment une collection rare des papillons lumineux. C'est un musée consacré à l'agriculture, à l'artisanat, aux coutumes, aux traditions et aux vêtements en Syrie. Il a été conçu durant l'union de l'Égypte et de la Syrie. Il possède une collection rare de souches génétiques du coton égyptien et étranger. Bien que l'Égypte ne soit pas le pays d'origine de ces souches, les efforts des savants et des cultivateurs égyptiens
ont fait que cette récolte est liée à l'Égypte et les variétés du coton égyptien ont une grande renommée dans le monde. Le musée du coton expose tout ce qui en a rapport avec cette récolte, à commencer par la superficie des terrains cultivés du coton depuis 1925. On y trouve une carte qui montre la création des variétés du coton égyptien qui sont apparues en 1818 et les étapes de la culture du coton, ainsi que les photos rares de la récolte manuelle du coton et les étapes de sa production. Il y a aussi des anciens modèles de machines utilisées, dont la filature, le tissage, l'égrenage du coton, ainsi qu'il y a des anciens borderies et d'autres du coton sur le cuir, outre la présence d'un coton gain manuel qui a été trouvé à Tchad.